dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique châle au crochet. Il le mien est vraiment très 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 grand. Il n'est pas spécialement compliqué à réaliser. On va faire les 9 premiers rangs ensemble tranquillement, puisqu'en fait, pour réaliser ce châle, on va répéter 4 tours en permanence. Le tour 10, 11, 12 et 13. Dès qu'on a fini le 13, on revient au 10. Ça, ces 4 tours-là, je les ai montrés 2 à 3 fois. C'est ce que je vous conseille d'ailleurs, c'est de prendre des notes dès le tour numéro 10 ou alors de revenir au moment de la vidéo où on commence. Donc ici, je vous montre vu de l'arrière comme il est vraiment très, 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 très grand. Et ici, vu de l'avant. Alors, pour réaliser ce châle, parce que là, je n'ai malheureusement plus l'étiquette sous la main, j'ai eu besoin d'une seule pelote. Une seule pelote de 1000 mètres. Donc oui, ça existe. Une seule pelote de 1000 mètres de la marque Ice Yarn, où je vous mettrai directement le lien de la marque, de la boutique dans la description de la vidéo. J'ai pris cette couleur là, il y en a plein d'autres que je pense j'ai bientôt craqué. Donc avec une seule pelote, vous faites vraiment quelque chose de très 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 grand. Et j'ai également utilisé, pendant que j'y pense, le crochet numéro 3,5. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche, le lien direct pour Instagram, Facebook, tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors, comme mon châle, personnellement, est déjà terminé, je ne vais pas en refaire un autre, je vais simplement vous faire un échantillon, mais de façon à ce que vous puissiez le reproduire. Comme je vous ai dit au départ, les premiers tours, donc jusqu'au tour numéro 9, je vais vous le faire vraiment tranquillement, on va les faire ensemble. Parce que les tours à répétition, ça va être le 10, le 11, le 12 et le 13. C'est 4 tours. Dès qu'on sera arrivé au tour 13, on revient au tour 10. On refait le 10, le 11, le 12 et le 13. Et ces 4 tours, vous allez les répéter le nombre de fois que vous désirez. Donc là, on va commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là et on fait le tour de son doigt. On passe ici son autre fil, on ramène l'autre à l'avant. Là, on va faire 4 mailles en l'air qui vont compter comme la première double bride. Donc une, je vais lâcher, 2, 3, 4. 2 jetées sur le crochet. On revient dans le même espace et on fait une deuxième double bride. Un jeté à travers les deux premières boucles, à travers les deux suivantes, à travers les deux dernières. On a un groupe de deux doubles brides, une maille de séparation, deux jetés. Même espace, de nouveau, un groupe de deux doubles brides. Donc une, deux. 5 mailles de séparation. 5. On va refaire la même chose. Non, pardon, je vous dis des bêtises. Donc, de jeter, là, on va faire un groupe de 3 doubles brides. Une. Deux. 3. Maintenant, oui, on va refaire ce qu'on a fait ici, les 5 mailles de séparation. 5. On va refaire un premier groupe de deux doubles brides. 1 maille de séparation. Et de nouveau, 2 doubles brides. 1. Je retire mon crochet. Je vais fermer mon cercle magique. Donc je reprends mon fil de base et je tire bien dessus. On va attaquer le tour numéro 2. Alors, tous les tours, on va les commencer de la même façon, on va les terminer de la même façon. On va tourner notre travail.
On va entrer ici dans notre deuxième double bride avec une maille coulée. On va rentrer ici dans l'espace. Dans cet espace, on va reproduire les deux groupes. Donc on rentre, on ramène, on fait 1, 2, 3, 4 qui font une première double. On en fait une deuxième. On fait la maille de séparation et dans le même espace, on refait les deux doubles. On commencera tous les tours de la même façon et on les finira tous de la même façon. Là. Ensuite, pour le tour numéro 2, on va faire une maille de séparation. Ici, dans cet espace au centre, on va faire 6 doubles brides avec une maille de séparation entre elles. Donc, j'ai fait la maille de séparation. Je vais faire ma première double. Une maille de séparation. La 2. Toujours la maille de séparation. Cinq, la maille de séparation. Six, je vérifie quand même parce qu'on ne sait jamais. Deux, quatre et six, ok. Ce qu'on fait de ce côté-là, c'est ce qu'on va répéter de l'autre. Donc on va faire la maille de séparation. Donc ici, dans l'espace suivant, on va répéter ce qu'on a fait ici, les 6 doubles brides avec une maille de séparation entre chaque. Et la 6. Donc comme je vous ai dit, on va toujours terminer notre tour, tous nos tours de la même façon. La maille de séparation, et ici dans l'espace qui sépare les deux groupes, vous avez compris qu'on va répéter les deux groupes. Donc une première double, une deuxième double, la maille de séparation, et de nouveau, les deux brides. Les doubles brides, pardon. Je vais me tromper tout le long. Là. Donc ici, on est arrivé à la fin du deuxième tour. Pour le tour numéro 3, je vous montre une dernière fois comment commencer, parce que comme je vous ai dit, on va toujours commencer et toujours finir de la même façon. On va tourner notre travail. On va entrer ici dans notre deuxième double bride avec une maille coulée. Ici, dans l'espace, on va reproduire ce qu'on a déjà fait. 1, 2, 3, 4 qui font la première double. On fait la deuxième. La maille de séparation et même espace, on en refait 2. Okay. Donc, on est au tour numéro 3. Là, on va faire une maille de séparation. On va aller dans notre première double bride. On va faire une double bride. Une maille de séparation. Dans l'espace qui sépare les deux, on en fait une. Une maille de séparation. Dans la double, on en fait une. Maille de séparation. Dans l'espace, on en fait une. Au total, on va en faire 10 de suite, de cette façon-là. Donc, j'en suis à 2, 4, 5.
10. Une maille de séparation. Ici, dans cet espace ici au centre, on va en faire une. Ce qu'on a fait de ce côté, on va le reproduire de l'autre, donc la maille de séparation. Ici, on a terminé dans l'espace, donc là, on va commencer dans l'espace et on va en compter 10 de suite. Et 10. Donc on va terminer comme on a commencé, la maille de séparation. Ici dans l'espace, on va répéter les deux groupes. Donc là, on vient de terminer le troisième tour. Pour le tour numéro 4, j'ai déjà tourné mon travail et repris exactement de la même façon. Ça avance juste un peu plus. Pour tout ce tour, maintenant, on va faire une maille de séparation. On va aller dans notre première double bride ici, on va faire une double bride. Maintenant, on va faire trois mailles de séparation. 3, 2 jetées sur le crochet. On passe une, on va dans la 2. 3 mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2. 3 mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2. 1, 2, 3. On passe une, on va dans la 2. 3. On passe une, on va dans la 2. 2. On va terminer comme on a commencé avec les deux groupes. Donc un premier groupe de 2, la maille de séparation et un deuxième groupe. Donc ici, on a terminé le tour numéro 4. Le tour numéro 5, j'ai déjà tourné et commencé comme d'habitude. Alors maintenant, ici pour commencer, on va faire 1, 2, 3. Dans la première double bride, on va faire une maille serrée. Maintenant, 1, 2,
3, 4, 5 mailles de séparation. Espace devant, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Espace devant, maille serrée. Ici dans la bride, dans la dernière bride, on fait une maille serrée et on va terminer comme on a commencé avec les trois mailles de séparation. Et ici, on va répéter les deux groupes. Alors ici, j'ai commencé le tour numéro 6, comme on l'a fait jusqu'à présent. Là, on va faire une maille de séparation. Ici, dans notre premier cercle, ici, ça ne compte pas, c'est pas, enfin, on va compter les cercles que nous avons. Dans ce premier cercle, on va faire 6 doubles brides avec une maille de séparation entre chaque. Une maille de séparation. Espace suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Espace suivant, maille serrée. 2, 3, 4, 5. Maille serrée. 4, 5. Maille serrée. Ici, on est arrivé au centre de notre châle. Ici au centre, on va faire une maille de séparation. Et ici, on va faire 11 brides avec une maille de séparation. 11 doubles brides, pardon. 1, 10, 11. Là, je vais encore vous montrer ce qu'on fait de l'autre côté. Mais du moment où on est arrivé au centre, ce qu'on a fait de ce côté-là, c'est ce qu'on va répéter de l'autre côté. Donc ici, on avait fait une maille de séparation et une maille serrée. Ensuite, on a fait 3 espaces. Donc on va juste répéter une maille de séparation. Dans notre premier espace de fond, on fait une maille serrée. Les 5 mailles de séparation. Devant la maille serrée. 5, la maille serrée. 5, la maille serrée. Une maille de séparation. On avait commencé avec 6 doubles brides séparées par une maille entre elles. Donc là, je répète la même chose.
On va finir avec les deux groupes, toujours la maille de séparation. Le tour numéro 7, j'ai déjà commencé comme on l'a fait jusqu'à présent. Alors maintenant, on va faire une maille de séparation. Ici, dans la première, on va en faire une. Une maille de séparation. Dans l'espace, on en fait une. Maille de séparation. Alors, une double bride dans chaque double bride avec une maille de séparation et une double bride dans l'espace. Donc ici, à ce stade, on a 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ok. Une maille de séparation. Dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. Une, deux, trois, quatre, cinq. Espace suivant, maille serrée. Quatre, cinq. Espace suivant, maille serrée. Une maille de séparation. Ici, on va faire la même chose. Donc on va en faire une dans la première, la maille de séparation, une dans les espaces, la maille de séparation dans la double, dans l'espace. Donc ça, vous le reproduisez pardon, jusqu'à la dernière bride. Ici, logiquement, j'ai pas logiquement, mais j'ai compté, on doit avoir 21 doubles brides avec une maille de séparation. Ce qu'on a fait de ce côté, on va le répéter de l'autre côté. Donc on va faire la maille de séparation. Maille serrée dans l'espace suivant, les 5. Maille serrée. Maille serrée. Une maille de séparation et on recommence. Une double bride dans chaque double bride. La maille de séparation et une double bride dans chaque espace que nous avons.
Donc on va terminer comme on l'a toujours fait jusqu'à présent. Pour le tour numéro 8, j'ai commencé comme d'habitude, la maille de séparation. On va aller ici dans notre première, on va faire une première double bride. 1, 2, 3. On passe une, on va dans la 2. 1, 2, 3. On passe une, on va dans la 2. On passe une, on va dans la 2. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Okay. Une maille de séparation. Dans l'espace, dans le cercle suivant, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Cercle suivant, une maille serrée. De 3, on est passé à 2. De 2, on est passé à 1. Là, on va reprendre ce qu'on a fait ici. La maille de séparation. On va dans la première. 1, 2, 3. On passe une, on va dans la 2. On va dans la 2, jusqu'à la dernière. Une maille de séparation. Dans le cercle suivant, une maille serrée. 3, 4, 5. Cercle suivant, une maille serrée. Une, et là on reprend. Une, deux, trois. La maille de séparation. Et on va terminer avec les deux groupes. Pour le tour numéro 9, j'ai déjà tourné et commencé. Maintenant, on va faire. On va faire 1, pardon, 2,
3 mailles de séparation. On va entrer ici dans notre première double bride avec une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée, espace suivant. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée. 5. Maille serrée. 5 mailles serrées. Donc ici, ce procédé, je l'ai répété jusqu'au dernier espace, au petit carré, avant qu'on arrive ici dans les 5 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors ici, on va préparer pour la suite, pour un nouveau motif. On va faire une maille de séparation. Un jeté cette fois-ci. On va faire une bride, 1, 2, 3, 4, 5, même espace, une nouvelle bride, une maille de séparation, dans l'espace suivant, une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'au dernier espace ici. Là, on va refaire la même chose qu'on a fait, je dirais un peu, ici de ce côté-là. Préparer un nouvel espace pour de nouveaux motifs. La maille de séparation, une première bride, les 5, même espace, une deuxième. Une maille de séparation, maille serrée dans l'espace suivant. Une, deux, trois, quatre, cinq. On doit toujours terminer comme on a commencé. Une, deux, trois. Et là, on termine avec nos deux groupes. Donc ici, on a terminé le tour numéro 9. Donc maintenant, on va commencer le tour numéro 10. Comme je vous ai dit, on va faire que répéter le 10, 11, 12 et 13. Donc si vous voulez prendre des notes, c'est à partir de maintenant. Ça vous évite de revenir 20 fois sur la vidéo. Ou alors, vous regardez à quel moment exactement on va entamer le tour numéro 10. Et puis, vous revenez à chaque fois à ce moment-là. C'est à vous de voir. Donc ici, pour le tour numéro 10. J'ai déjà tourné et fait comme on a fait d'habitude. Là, on va faire une maille de séparation. Deux jetés. Dans le premier cercle ici, celui-là ne compte pas. Dans le premier cercle, on va faire six doubles brides avec une maille de séparation entre chaque.
6. Une maille de séparation. Devant, on va faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée devant. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée devant. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée devant. Donc ici, on a 3 espaces. Quand on va reprendre au tour numéro 10, vous avez compris qu'on aura des motifs de plus à chaque fois. Donc là, ici, on arrive où on avait fait la bride, les 5 mailles de séparation. On va faire une maille de séparation. Donc ici, dans cet espace-là, on va refaire les 6 doubles brides avec une maille de séparation. Une maille, pardon, une maille de séparation. Dans l'espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée. Une maille serrée. Donc ici, on est au centre. On a fait ici les 3 espaces du groupe de 6. Les 3 espaces. Donc ici au centre, on va pas faire un groupe de 6, on va faire un groupe de 11. Une maille de séparation. Donc dans cet espace, on va faire 11 doubles brides avec une maille de séparation entre chaque. Donc ici, j'en ai bien 11, 2, 4, 6, 10, 11. OK. Donc ce qu'on a fait d'un côté, on va le répéter de l'autre. La maille de séparation. Ici, on va faire la maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Donc là, on a fait le dernier espace avant celui-là où on a les brides. Donc là, on va recommencer une maille de séparation et 6 doubles brides à l'intérieur avec une maille de séparation entre chaque. Une maille de séparation, maille serrée dans l'espace devant. Une maille de séparation. Donc ici, dans notre dernier espace, on va refaire les 6 doubles brides avec une maille de séparation entre chaque. Les 4.
5, 6. La maille de séparation. Et on va terminer comme on a terminé tous nos tours. Donc ici le tour numéro 10, qui est le tour à répétition, un des premières répétitions, nous donne ce résultat. Ici on a commencé avec un motif, là on en a 1, 2, 3, et on va en avoir 1, 2, 3, 4, 5. Et quand on arrivera de nouveau au tour numéro 10, on en aura 2 de plus. Mais je vais quand même vous montrer encore tranquillement. Alors ici, avant de commencer le tour numéro 11, pardon, je mets un repère au tour numéro 10. Ça m'évite à chaque fois de compter. Comme ça, je sais qu'ici, c'est le 10. Dès que je suis à 13, je redéplace le marqueur ou je le laisse. Et comme ça, je peux regarder ce que j'ai fait à ce tour-ci. Donc, tour numéro 11. J'ai tourné et fait mon groupe. Je vais faire ma maille de séparation. Donc ici, on va faire des doubles brides dans chaque double bride. La maille de séparation et des doubles brides dans l'espace jusqu'à la dernière double bride. Donc ici jusqu'à la dernière, comme on l'a déjà fait à plusieurs reprises. La maille de séparation. Dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. Ici, donc, on avait 3 espaces. Là, on va en avoir 2. 1, 2, 3, 4, 5. Mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Mailles serrées. Une maille de séparation. Et là, on reprend. Une double bride dans chaque double bride, la maille de séparation, et une double bride dans chaque espace que nous avons. La maille de séparation, maille serrée, maille serrée, maille serrée, une maille de séparation. Donc ici, on va faire la même chose qu'on a fait là. Une double bride dans chaque double bride, une maille de séparation, et une double bride dans chaque espace également, jusqu'à ce qu'on arrive ici où on va faire la maille de séparation. La maille serrée, les 5 mailles de séparation, maille serrée, 5 mailles de séparation, maille serrée, une maille de séparation, et on reprend exactement ce qu'on a fait de ce côté-là, de ce côté-là. Pour le tour numéro 12, j'ai déjà tourné. Et là, si on a même, enfin, on peut même déjà regarder ce qu'on avait fait aux autres tours. Quand on avait fait ici le groupe des doubles brides, ensuite on a fait le groupe où on séparait avec 3 mailles de séparation. Ça peut déjà aider. Donc en fait, 10, 11, pour le 12.
J'ai fait comme d'habitude, la maille de séparation. Donc ici, on va faire une première double dans la première. Une, deux, trois. On passe une, on va dans la deux. Une, deux, trois. On passe une, on va dans la deux. On passe une, on va dans la 2. 3. On passe une, on va dans la 2. Une maille de séparation. Ici au centre, donc ici nous avons deux espaces. On va faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Espace suivant, une maille serrée. Au prochain tour, on va de nouveau ici préparer pour un nouveau motif. Une de séparation. Là, on reprend le même procédé. Une, deux, trois. On passe une, on va dans la deux. 1 maille de séparation, maille serrée, 3, 4, 5, maille serrée, 1 maille de séparation, et là on continue à nouveau. Maille de séparation. Donc maintenant, vous avez compris. Voilà. Vous allez simplement répéter ce qu'on a fait de ce côté-là, de ce côté-là. Donc ici, on attaque le 13e et dernier tour à répétition. Dès qu'on aura fini ce tour-ci, on va reprendre le tour numéro 10. Pour ma conscience, on va refaire ensemble 10, 11, 12 et 13. Après, vous n'avez plus qu'à répéter ces 4 tours le nombre de fois que vous désirez. Donc, pour le tour numéro 13, pardon, j'ai pris comme d'habitude, ça n'a pas changé. On va faire 3 mailles de séparation. 3. On entre dans notre première double bride avec une maille serrée. Là, on va commencer les petits cercles. Donc, 1, 2, 3. 4, 5, espace devant, une maille serrée. 2, 3, 4, 5, maille serrée.
5. Donc jusqu'au dernier espace. Si on compte, on n'a pas forcément besoin de compter, mais du moment où on fait jusqu'au dernier espace, on n'a pas besoin de compter. Mais on a 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, on va préparer un nouveau motif pour le prochain tour. On va faire la maille de séparation. Donc ici, oui, on va faire une bride, les 5 mailles de séparation. Même espace, une nouvelle bride. Une maille de séparation, maille serrée. 1, 3, 4, 5. Mailles serrées jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau au dernier espace. Une maille de séparation, une bride, 2, 3, 4, 5, une bride, une maille de séparation. Donc ici, on est au centre. Maille serrée. Cinq mailles serrées. Mailles serrées. Donc ici, jusqu'au dernier espace, la maille de séparation. Donc ici, on va faire la bride. 1, 2, 3, 4, 5. Et la bride. La maille de séparation, la maille serrée. 2, 3, 4, 5.
Donc ici, à ce stade, on a terminé tous les tours à répétition. Maintenant qu'on a fini le tour numéro 13, pardon, on va reprendre le tour numéro 10. Alors, ou vous revenez en arrière dans la vidéo, ou alors plus simple, vous regardez ici au tour numéro 10 ce que vous avez fait, puis vous le reproduisez. Je vais vous montrer une toute dernière fois le 10, 11, 12 et 13. Ensuite, je vous laisserai faire le nombre de tours que vous désirez. Alors ici, je marque à nouveau le tour numéro 10. Comme ça, je peux me repérer par rapport à celui-là. Donc ici, on avait fait nos deux groupes. On avait fait une maille de séparation et on avait fait 2, 4, 6, 6 doubles prises à l'intérieur avec une maille de séparation. Donc, je fais ma maille de séparation. Donc, comme je vous ai dit ici, ça ne compte pas comme un espace. On va dans ce petit cercle. Et là, on va faire nos 6 doubles brides avec une maille de séparation entre chaque. Une maille de séparation. Là, j'ai pas besoin de regarder puisqu'on sait que là, c'est une maille serrée. Nos petits cercles, on va les diminuer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Mailles serrées. On est ici dans l'espace, on va devoir refaire un motif. Une maille de séparation. De nouveau, 6 doubles brides à l'intérieur avec une maille de séparation entre chaque. Donc ici, vous avez compris, quand on va reprendre le tour numéro 10, à chaque fois qu'on va reprendre le tour numéro 10, on aura toujours un motif de plus. Au centre, le centre va rester pareil. Ici, on a commencé avec 1, on ne va pas compter le centre. On avait 1, ensuite on en a eu 2. Maintenant, si on regarde bien, on va en avoir 1, 2, pardon, 3. Quand on va reprendre le tour numéro 10 après, on va en avoir 4. Ensuite, 5, 6, 7, 8 et ainsi de suite. Ici au centre, ça ne changera pas. Ça restera toujours pareil. Donc au centre, comme je vous disais, on va faire 4, 5, mailles serrées. 5, mailles serrées. 4, 5, mailles serrées. Ici, au centre, quand on fait le tour numéro 10,
On a fait nos trois espaces. Ici, on va faire nos 11 brides à l'intérieur. Donc la maille de séparation. Et là, on va faire donc 11 brides, en double bride, 11 doubles avec une maille de séparation entre chaque. Alors ici, j'ai fait mes 11 brides dans le même espace. On voit bien que ça correspond à ce tour-ci. Maintenant, bah, ce qu'on a fait d'un côté, on va le répéter de l'autre, ça ne change pas. La maille de séparation. La maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille de séparation. On va faire les 6 doubles brides avec une maille de séparation. Une maille de séparation et ainsi de suite. Donc maintenant vous êtes tout simplement terminé le tour numéro 10 de la même façon qu'on a commencé. Donc ici pour le tour numéro 11, on n'a qu'à regarder ce qu'on avait fait au tour numéro 11 précédent. Ici, donc on a commencé normalement, on a fait les mailles de séparation habituelles, une double dans chaque double avec une maille de séparation et une dans chaque espace. Ensuite, on a ici vraiment ces. Il est même très simple si on regarde un peu ce qu'on a fait avant. Donc pour le tour numéro 11 à répétition, on va faire une double dans chaque double, la maille de séparation et une double dans chaque espace jusqu'à la dernière bride. Alors ici, je l'ai fait jusqu'à la dernière bride. Si vous comptez, vous devez en avoir 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11. La maille de séparation, la maille serré. 4, 5. Donc ici, on a deux cercles. Maintenant, on se retrouve de nouveau devant nos doubles brides et on recommence ce même procédé sur tout le long jusqu'au centre et de l'autre côté. Pour le tour numéro 12 à répétition. Donc j'ai compté d'ici 10, 11, 12. Je vais voir ce que j'ai fait ici à 12e. J'ai fait une double ici, passer une à la 2. Ok. Donc là, on va faire pareil. On va faire une maille de séparation. On va entrer ici dans notre première double. Les trois mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2. On passe une, on va dans la 2. Donc ici maintenant, on va faire la maille de séparation et une maille serrée. Une maille serrée dans l'espace suivant. 1, 2, 3, 4, 5. Espace suivant, maille serrée. Donc là, il n'y a plus qu'un seul espace. Au prochain tour, vous avez compris que c'est là où on va faire de la place pour un nouveau motif. Donc la maille de séparation. Et on va reproduire donc ce même procédé. 1, 2,
On passe 1, on va dans la 2. Donc là, vous avez compris qu'on va répéter ce même procédé sur tout notre tour et faire pareil de l'autre côté. Alors ici, pour le 13e et dernier tour à répétition, j'ai simplement regardé ce que j'avais fait ici au tour numéro 13. Et on va répéter exactement la même chose. Je pense que là, donc là, je vous montre comment terminer, comment commencer et terminer. Puis vous avez compris qu'ensuite, on va reprendre le tour numéro 10. À chaque fois ici sur les côtés, on aura un motif de plus. On a commencé avec 1, 2, 1, 2, 3. Prochain tour, on aura 4. Celui d'après, on aura 5. Ce sera pareil de ce côté-là. Ici au centre, ça restera toujours le même nombre de motifs. Donc, pour ça, 1, 2, 3. Maille serrée dans la première double. 1, 2, 3, 4, 5. Donc jusqu'à notre dernier espace. Logiquement, on en a 5. Une maille de séparation. Donc ici, on va faire une bride. 1, 2, 3, 4, 5. Une bride. Une maille de séparation. Donc ici, vous avez compris, pour éviter que ce soit vraiment trop long pour vous, on va reproduire le tour numéro 13 tout autour de notre travail. Or, maintenant que vous avez terminé le tour numéro 13 à répétition, vous allez reprendre le tour numéro 1. Et comme je vous ai dit, on a commencé avec un motif ici sur les côtés. On a fait 2, 1, 2, 3, prochain. Donc, quand on va reprendre le tour numéro 10, on aura 1, 2, 3, 4. Ici au centre, ça restera toujours pareil. Donc, le tour 10, 11, 12 et 13. Vous allez les répéter le nombre de fois que vous désirez pour la grandeur totale de votre châle. J'espère, enfin, j'ai vraiment essayé de faire de mon mieux pour que ce soit simple pour tout le monde. C'est vous prendre des notes au moment où c'est le motif à répétition ou revenir sur la vidéo à chaque fois qu'on entame le tour numéro 10, 11, 12 et 13. Alors, après avoir répété les 4 tours, le nombre de fois que vous désirez, ça vous donne ce superbe résultat. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt.